الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الحبيب كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. من فريق من سير الله سبحانه وتعالى جل جلاله des petits prescrits à Ramadan pour nous afin qu'il nous acquérit à taqwa et d'en faire Ramadan vienne l'école en madrasa quand un jimoun l'y rentre là-dedans et l'y soumette avant l'étape qui Allah mettait dans Ramadan pour l'y acquérir à taqwa. Et cette taqwa là, Allah subhanahu wa ta'ala jala jala, il est clair dans surah Baqara, ils ont entendu plusieurs fois dans Ramadan, ya ayyuha alladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Là, ça, l'épreuve-là est terminée. L'épreuve de mois de Ramadan est terminée. Ça veut dire tout le monde qui est présent devant nous et qui peut écouter, c'est tout un pourcentage de taqwa que nous avons besoin de gagner. Nous tous un certificat de nous l'amener, là, devant Allah subhanahu wa ta'ala, là-dedans, il écrit à chacun ce point. Chacun ce point qu'il a gagné dans Ramadan, et ça existe, Allah subhanahu wa ta'ala connaît, et nous ce qui nous reste pour faire, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatina wa sa'ira a'malina, ce qui nous reste pour faire à ce temps-là, nous demandons du'a avec Allah, qu'il y pardonne nous pour nos manquements et y accepte nos bonnes actions. Pas pour qu'on arrête tout, non, non, il y a besoin d'atteindre 1444 Hijri 2023 pour recenser à papier côté d'un résultat. L'au-delà de ce qui nous travaille dans Ramadan, nous visons attendre l'année prochaine pour nous gagner l'autre papier, l'autre résultat. Et ça, taqwa-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est ça même sur un camarade, ça. Il dit, taqwa, c'est ben wali Allah. Allah dit, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ça n'a ben wali Allah. Wali Allah, c'est ben kina iman et ben kina taqwa. Alors, Ramadan, li tienne moi pour qu'il y ait un djimoun li vin wali Allah. Et ça, chacun connaît qui compte ses efforts d'une faire, comme on nous dit, astéala, zoji, zouïd, c'est taouba, et demande-toi d'accepter nos bonnes actions. Dans le hadith aussi, pareil.
رسول صلى الله عليه وآله وسلم نجية وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Dire qu'une chose qu'Allah plie content, qui nous servit pour nous rapprocher avec Allah, c'est qu'une chose faraz. Et qu'une chose faraz, il y a des qualités, qu'une chose qui faraz dans nous. Faraz pour faire et faraz pour pas faire. Faraz pour faire, c'est bon faraz. Faraz pour pas faire, c'est bon haram. Quand nous faisons ça, nous rapprochons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous continuons à rapprocher avec Allah par un nafil qui nous fait. Jusqu'à ce qu'Allah compte en nous, ça veut dire dans ce hadith-là, nous aussi comprenons que pour nous venir un camarade Allah et pour qu'Allah compte en nous, c'est pas faire ban qui chose faraz et pas augmente ban qui chose nafil jusqu'à ce qu'Allah compte en nous. Ban frère et ban sœur. Ça débute, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est même introduction, khutba, Laylatul Qadr dans Al-Mizan. Même introduction, Mobou Jésus. Essayez d'imaginer. Moi, qui m'en fait concentrer avec moi, un ayat Coran peut expliquer procédure divorce. Un ayat Coran, il a procédure divorce. Musulman il divorce, il n'est pas même connu qui ayat Coran il cause le divorce. Et il n'est pas même connu quand il finit mariage qui ayat Coran il cause le mariage. Et il n'est pas même comprend méthode de mariage et méthode de divorce dès que t'en dis divorce. Tu n'as pas même connu qui veut dire divorce. Alors, mon papa explique divorce, zouïd, non. Mais peut dire de procédure à divorce, Allah dit وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَاجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Allah peut expliquer une longue procédure à divorce, les dire que si Banna continue à persister, madame là, les continuer ou les contrôler son monsieur, les continuer ou les désobéir à Allah avec son Rasoul, quand son monsieur peut aider pour obéir à Allah avec son Rasoul, فَعِذُوهُنَّ كَوْزَالِ. Advise-li, fais-li payer Allah, fais-li connaître, il n'a pas rendre compte contre Allah. Allah peut dire Michel là. Wahjuruhunna fil madaji, séparez-les, l'olili. Il y a une longue explication, l'o séparer qui veut dire. Ensuite, Allah dit wadribuhun, une petite correction, donne-nous une petite correction. Dans sa procédure là, nous capables d'analyser qui halat azodi musulman était, généralement dans le monde et dans le local aussi, qui Allah peut dire séparez-les, mais. Dis-tout, c'est Michel-là, pas lui qui pourra donner correction, madame-là, de nos jours. C'est madame-là qui donne Michel-là correction, c'est madame-là qui quitte la somme qui allait, c'est madame-là qui punit Michel-là. Ça veut dire ce qu'Allah peut expliquer dans le Coran, dis-moi, il dépasse ce limite très très loin, il allait, que de procédure qu'Allah peut expliquer dans le Coran, il dépasse par dis-moi, je ne transgresse tout ma limite. Déjà, l'exemple, pour montrer l'état qui nous peut vivre aujourd'hui, c'est Ayat Mahram. Pareil, mon papa explique mahram qui veut dire, chaque musulman obligé connaît qui veut dire mahram. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et d'abord, il dit, beau frère, capable de rentrer dans la salle, quand il y a une madame qui pas de mettre de jilbab, qui est habillé légèrement, avec beauté, avec décoration, est-ce qu'il beau frère qui a rentré? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, alhamou al-maut. Il dit, l'amour, papa. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, beau frère, l'amour. 1443 banani de cela. Right là. Écoute ce hadith, il peut dire l'amour, quand mon monsieur rentre dans ma place, qu'il y a madame. Ayat Coran dit Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min arda'a wa ummahatu nisa'ikum. Allah explique ban mahram de une madame qui s'en a et qu'un monsieur qui s'en a. Là-dedans, il dit que parmi ban mahram, c'est belle-mère. Parmi les mahram, c'est belmé. Ça veut dire quand il y a mahram en arabe, c'est la sanctuité, c'est-à-dire pas toucher. C'est une petite chose qui est la sécurité. C'est une petite chose qui est en zan avec ce belmé et un droit assis ensemble, même qui belmé n'a pas de djilbab. C'est moi qui vais vous montrer ce parti. Le quoi définitivement, mais c'est moi qui gagne droit. Mazine qui sa sécurité qui a la peut causer dans le Coran là, il bafouait de nos jours que sa zan là, en même temps, ce madame enceinte. Et ce belmé aussi enceinte pour lui-même. Mais Allah peut cause mahram, il peut dire que belmé là, mahram ça. Mais quel niveau qui musulman est arrivé? Moi, je peux cause musulman là. Moi, je peux cause local là. Qui ne finit pas fouet. Ça veut dire, essayez d'imaginer dans quel état nous peut vivre. Et nous, Habib sallallahu alayhi wa sallam, il décrit tout ça là, plus facile, il dit Fitanan kakita illayl il muslim. Yusbihur rajulu fihi mu'mina.
ويمسي كافرا. Il dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'il y a tellement fitna. Écoutez, mon frère, mon soeur, il y a tellement test qui un dimoun ni pour lever grand matin, il y a iman, quand arrive l'après-midi, il perd son iman. Ou bien, dans l'après-midi, il y a iman, quand il lève grand matin, il perd son iman. Ça, c'est le deuxième point que j'ai envie de dire à mon frère et mon soeur de sa khutba. Donc, ça, c'est le scénario-là, c'est-à-dire l'islam, solution pour toute chose. L'islam, c'est la résultat tout seul qui peut faire insan al bon pot. L'islam, c'est bateau de Nuh alayhi salam. C'est lui qui rentre là-dedans, il s'appelle. C'est lui qui va rentrer, il est noyé. Ben frère, ben moussa, ben nous avons une parole facile pour comprendre. L'islam implémente l'islam, met en pratique l'islam dans sa totalité, c'est bateau de Nuh alayhi salam. C'est lui qui rentre dans le bateau, il s'appelle. C'est lui qui part rentrer noyé, même si ou madame part rentrer noyé, même si ou papa part rentrer noyé. Et dans l'histoire de nous, alayhi salam, ce garçon, il refuse rentrer et ce garçon finit noyé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, innahu laysa min ahlik. Ça, c'est pas tes enfants, ça. Qui fait parce qu'il y a une résiste à l'islam. Point numéro 1. L'islam, il descend depuis le ciel. L'islam, c'est pas man-made. L'islam, c'est pas une faire l'expérience d'un laboratoire. Après, il a trouvé qu'il m'a dit qu'il n'y a pas. Non, l'islam sorti contre Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. L'islam est venu pour libérer l'insan. L'islam est venu pour faire des gens vivre avec un l'honneur en tant qu'insan. Ou l'aqad karamna bani Adam à la jada sur Isra. Nous faisons honneur l'insan. Ensuite, qui est arrivé? Ban tawarit, ban oppresseur, ban valimine, ban kuffar, ban l'ennemi Allah. Ils viennent entre et ils prennent l'insan, ils font un esclave. À travers l'économie. Gétazodi, comment tu peux subir? Il peut subir un système d'économie. Il peut subir un système de gouverner qui appelle Jahiliyyah de Coran, l'ignorant. Un système de gouverner qui, pas d'après Coran avec Sunna, c'est un hukum Jahiliyyah, c'est un système d'ignorance. Alors, quand il arrive ça, Azodi, ou trouve insan dans le monde en entier peut subir ça, un système qui, insan, il est mis en place pour retirer ce système qui, à l'un des sans, depuis l'échelle, Allah dit, inna din indallahi al-islam, din kot Allah qui accepte, mode de vie qui accepte, système la vie qui accepte, de tout ce facette, c'est al-islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a un faux, ben, je vous dis qu'il y a un iman, nous pas pour qu'il y a un, nous pas tu connais, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, falan yuqbala min, wa huwa fil akhirati min al-khasirin. C'est lui qui n'a pas adopté l'islam comme son mode de vie dans l'akhirat de Poupéadi. Pas juste namaz. Non, prends depuis le système de gouverner, relations bilatérales politiques, géopolitiques. Azodi nous explique géopolitique que par exemple, si nous avons cause de la Turquie, nous avons envie de faire président Turquie paraître, comment dire, un moudjadid de sa ummat-là, un rénovateur de sa ummat-là. C'est moi, il y a envie, il va nous, il y a envie, il y a ça même Mohammed bin Salman qui est sur l'ennemi, ça même Mohammed bin Salman qui est considéré comme oppresseur, ça même Mohammed bin Salman qui lit, qui travaille pour dire qui c'est lui qui fait tout, ça l'autre, ça citoyen saoudien, Azodi, il m'a collé avec lui parce qu'il fait l'avantage. Et Coran avec Sunna pas censé, la loi Allah pas censé, la loi Allah de sa base pas censé du tout. Alors quand Moussalman lui prend l'islam en partie et lui quitte en partie, Allah subhanahu wa ta'ala finit d'un avertissement du Coran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Qui comme un djimoun, pas pour adopter l'islam dans l'akhirat de Poupiadi. Quel islam nous peut causer, mon frère? Oh, ben jeune, pas de homie, écoute bien. Challenge pour les autres. Sa khutbalaine préparée principalement pour challenge qui ban jeune pour faire dans l'avenir local et international. Principalement sa khutbala. Oui, tout le monde pour gagner bénéfice, inshallah. Mais principalement sa khutbala, c'est un khutba qui peut adresser avec nous, ban jeunes, nous, ban enfants, pour comprendre que l'islam, c'est l'honneur. L'islam, c'est l'izzat, la puissance. L'islam, c'est dit bien dans le dunya et dans l'akhirat. Faire attention, tu gagnes embêté avec zouir, avec acteur, avec fanan, artiste. Tu gagnes embêté pour ban héros et t'oublier à l'islam. Et tu accepter van à l'islam. Tu van jannat pour toi c'est jahannam. Oulaïka alladhi nashtaraou dhalalata bil huda. Wal azaba bil maghfira.
Allah dit dans le Coran, oulaïka samanjimun la, ishtaraud dolala, zun asté, légalement, zun van guidance. Ya Allah, qui a été ça ayat Coran là? Qui a dit ça ayat Coran là? Allah peut dire, zun asté légalement, zun van guidance. Je n'ai pas de jahannam et de punition. Je n'ai pas de jannat et de pardon de Allah subhanahu wa ta'ala. Allez, dis-moi, man jeune, qu'est-ce que tu peux faire? C'est une question. Malaika pour écrire, qu'est-ce que tu peux faire? Je peux vendre jannat pour acheter jahannam? Réponds. Hein? Je peux vendre guidance, je peux acheter légalement? Oh nous, man jeune. Ça, la tête là, si arrivé, il n'y a pas reste, ça, l'intelligence qui a l'aide donnée. Et ça, la tête là, il vient de la tête qui vient, comment dire, de la farine. Qui Shaitan est son allié, zut manigance li de zut façon, c'est perdition dans la dunya et dans l'akhira. Faudrait ou libre. Attention ou croire ou libre. Quand dans l'armée, il y a dans la scène. Dans l'Olympia, il y a la scène. Ou tu crois ou libre. Mais en principe, ou cerveau, il finit un slave, il finit un esclave. Ou Shaitan est son l'armée, et son adepte, et de djal, et son système, et son logistique, et son l'armée parmi djinn et djimoun. Et nous pouvons nous libre parce que dans mon armée, je n'ai pas trouvé non? La scène, dans mon libre, je n'ai pas la scène. Mais quand j'ai mon réaction, quand j'ai mon réflexion, quand j'ai mon choix, quand j'ai mon pensée, une pensée qui est vendue, qui est proxy, qui est contrôlée par remote control, par Shaitan, et sur mon allié, et sur mon logistique, et sur mon l'armée. Ça, l'islam, là, c'est perfection. Perfection, mon frère. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, peut dire, « Je connais qui joue ça, le Coran l'indescend, qui l'est l'indescend, qui côté l'indescend. « Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raduitu lakum l'islam adina. » L'islam, c'est la perfection. Numéro 3, l'islam, c'est la facilité. L'islam, c'est la facilité. Qui a été facilité? Allez, right. Faire comme on dit dans l'assemblée, à Stéalala. Aujourd'hui, les 3 mai, 2022, premier Shawwal, 1443, un djimoun pan gard rosa du tout. Li pan fait namaz du tout. Li pan fait tahajjud du tout. Li pan fait qiyam du tout. Et li piacisé parmi nous là. Vous pensez qu'il infini met scellé le sa djimoun là? Non. La porte pardon encore ouvert. La porte pardon encore ouvert. Personne pas qu'à fermer ça la porte là. Mais il n'y a aucun raté qui monte le mimbar dans ma place. Vin dire ou pan fait namaz ou pan fait non, y'a baisé djihannam. Non, non, non. Oui, il y a un hadith qui dit, c'est lui qui pan gagne pardon dans Ramadan et Ramadan infini, ça veut dire malé à l'oli. Malé à l'oli quand il mort et il n'a pas encore gagné l'occasion, refait à Taoba. Mais s'il gagne l'occasion, refait à Taoba, c'était là, il refait à Taoba. Est-ce qu'il malé à l'oli là? Non! Parce que le Rasoul Sazam lui-même dit qu'il a pas de Taoba reste ouvert jusqu'à ce que le soleil continue à lever depuis l'est, jour que le soleil lève depuis l'ouest. L'Allah qui l'a porté. Mais ça veut dire, ce hadith, qui nous-mêmes nous citait dans Ramadan, qui nous dit, malé à l'Ojimoun, qui Ramadan est terminé, et il n'est pas fini de gagner pardon Allah, ça, c'est dans Halat qui dit, mort, il n'est pas gagné de refaire Tauba. Parce qu'il n'a pas de Tauba pas fermé quand Ramadan est fermé. Il n'a pas de Tauba pas fermé quand la porte Jannat est fermé et la porte Jahannam ouvert après Ramadan, premier Shawwal. Il n'a pas de Tauba fermé quand le soleil lève dans l'ouest et Alhamdulillah, je donne bonne nouvelle à tout mon frère et ma soeur. Si arrivé, je peux encore bénéficier. Astéla, là, annonce votre taouba. Et annonce sa taouba là avec une sincérité, avec un sérieux. Et sorti depuis dans sa taouba là. Pour faire bonne action. Alors, je donne une bonne nouvelle. Allah dit Illa man taba wa amana wa amina wa man saliha. Fa ulaika yubadilullahu sayyatim hassanat. Je te fais taouba. Je te suis sa taouba là pour bonne action. Allah sans tout mauvais action. Faire une bonne action pour vous. Alors, l'islam. C'est la facilité. Et la loi qui est facile. Parce qu'Allah dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'a pas pour donner un fardeau qu'ils n'ont pas capable de sortir. Alors tout ce qui est dans le Coran et dans le Sunna, c'est un fardeau qui nous capable de sortir. Parce qu'Allah finit de dire s'il y a un fardeau qui n'est pas capable de sortir, ce n'est pas l'islam. Numéro 4. L'islam, soyez fiers. Un musulman, il est fier, il y a un musulman. Il n'y a pas besoin d'être fier, il n'y a pas besoin d'avantages, il n'y a pas besoin d'être kibr, il n'y a pas besoin d'être ujoub, mais il y a besoin d'être fier, il y a aziz. Un muslim, un musulman, il est fier. Un zénès dans l'école, il est tout seul musulman, il est fier. Il est signifié le sodine, il est établi sur le salat,
les restaurants avec haram, et les saillent tout le monde musulman qui est dans l'école ensemble avec lui, et ils deviennent l'exemple pour ça, mais les autres enfants qui ne sont pas musulmans. Là. Pas non plus, quand l'arrivée, aller nous n'est que rentrer, rentrer, boire, fumer cigarette, boire l'alcool jusqu'à finalement tomber dans la drogue. Non. Un musulman, il est fier de ce dîne, qui fait, parce que l'islam, c'est digne de tout le monde, alayhi musulman. Allah dit, inna hadhi ummatukum, ummatan wahida, wa ana rabbukum, fa'abudun. Qui ça dit là? Hein, sa ummat là, un ummat qui commençait avec Adam alayhi salam, et l'in perfectionné sous nubouat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Al-anbiya ikhwa, tout man anbiya zot frère, wa dinuhum wahid, zot din en sel, c'est al-islam. Alors nous dans din de Adam alayhi salam, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Ismaïl alayhi salam, et tout man anbiya alayhi salam. Mais c'est moi, nous dans la meilleure communauté, la meilleure ummat, ummat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère et ma soeur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Bon, nous avons un, ban qui connaît, il y a un rappel, ban qui pas connaît, il y a un cadeau. Toute la loi qui est dans le Coran et dans le Sunna, toute la loi, qui est dans le Coran et dans le Sunna, il vient pour protéger l'insan et sa société. Et si nous cassons ce principe-là, nous pouvons mettre nous-mêmes dans pétrin, dans difficulté, nous pouvons mettre nos familles dans difficulté, et nous pouvons mettre l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans difficulté, nous pouvons participer, nous, avec nos actions. Laisse Yahoud, Yahoud l'ennemi Allah, Yahoud mardoub et alayhim wa l'addalin, Yahoud et Nasara, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie malédiction aux autres. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sur les autres. Mais seulement, moi, je vais vous dire que si nous désobéissons à Allah et son Rasoul, nous aussi, sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons participer de la destruction au ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que nous tous, nous donnons seul safina, nous donnons seul bateau, quand nous désobéissons à Allah, il fait l'effet de ce bateau-là. Alors, chacun parmi nous, nous avons envie que le masjid Aqsa libéré, nous faisons faire djihad. Nous faisons support au djihad, mais en même temps que nous faisons support au djihad, nous faisons faire des efforts pour nous quitter désobéissance à Allah et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça pour jouer poids faux dans nos doigts, quand nous demandons doigts pour Uyghur, quand nous demandons doigts pour Rohingya, quand nous demandons doigts pour Bangladesh, quand nous demandons doigts dans l'Inde, quand nous demandons doigts pour Chechen, quand nous demandons doigts pour Gaza, quand nous demandons doigts pour Palestine, quand nous demandons doigts pour Al-Aqsa, quand nous demandons doigts pour nous ban ulama. Nous ban ulama rasikhin fil ilm, ban qui connaissance remplie de toutes les kirs, qui dans la prison de Ben Zalimin, pour nous doit en aller fait, nous visons qui désobéissance Allah et qui désobéissance Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. À l'islam, il vient pour protéger l'insan et sa société. Si l'insan désobéit, il peut inviter destruction de nous-mêmes et de nous ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah protège nous l'intelligence. Bon, pour aller vite. Allah, il met ben la loi pour protéger numéro un nous l'intelligence. C'est pour ça qu'il y a l'alcool haram. Il y a l'alcool haram. Les prothèses nous disent. C'est pour ça qu'il y a celui qui quitte ce digne, tu lis. Les prothèses nous nafs, nous du sang, nous la vie. Quand il y a, min ajli dhalika katabna ala bani Israël annahu man qatala nafsan bi ghayri nafsin au fasadin fil ardi, fa ka annama qatala nasa jami'a. C'est lui qui tue un djimoun sans aucune raison shari'i, légale, d'après Coran avec Sunna, lui pareil comme elle intuit l'humanité en entière. Allah peut montrer l'importance, préserve la vie indimoun. C'est pour ça qu'il avotement, il compte sa principe de l'islam de base, que c'est indimoun, il peut prendre la vie d'une créature qui est incapable, sans faire rien. Et à jour du jour, la loi Torah, la loi l'ennemi Allah, il vient pour garantir ça, pour légaliser ça, et ce qui m'allait à la dent, si arrivé, les amis, Man Moussalman, il participe dans réaliser la loi. Numéro 3. Numéro 4. L'islam protège nous l'honneur. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et Coran fin montrer qu'il c'est lui qui joue avec l'honneur en musulman. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit ce l'honneur est sacré. Ce l'honneur sacré. Pas qu'un droit jouer avec l'honneur en musulman, ni avec ce disant, ni avec ce dit bien. Alors l'islam il vient pour protéger numéro 4, l'honneur en musulman. Et ensuite, il y a beaucoup d'ayats Coran qui ne m'ont pas pour citer à cause de l'état, et un hadith pour montrer comment l'islam une prothèse d'in, numéro 1, comment l'islam une prothèse l'intelligence, numéro 2, et toutes les choses qui pourront empêcher ça de réfléchir, les haram,
comment l'islam il empêche jouer avec le nez, il y a la loi. Et numéro 4, comment l'islam il empêche jouer avec proche génération, ça veut dire nous pas gagner droit à faire aucune action qui peut empêcher la continuité de la génération, ce qu'on appelle pro-génération humaine. Alors, zina haram. Et c'est tout quelque chose qui amène vers zina haram. Zina haram, tout ce qui amène vers zina aussi haram. Et il y a souvent la loi pour montrer comment l'islam les protège la pro-génération. Ensuite, numéro 6, c'est l'argent. Et il y a la loi qui protège l'argent. Même les ou l'argent. Même les ou l'argent. Dans l'islam, il n'y a pas toute sa conception comme dans le libéralisme. Et là, je vais faire ce qui m'a envie, mais l'argent, je vais faire tout ça. Allah dit qu'on s'est mangé, il dit Wakulu, Washrabu, Wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Mangez, bois, pas exagéré, pas faire gaspillage. Innahu la yuhibbul musrifin. Parce qu'Allah pas content l'exagération et faire gaspillage, ça montrait comment l'islam vient pour protéger nos sociétés et protéger l'insan. Et il protège ça six petites choses là, et la loi montre comment protéger ça. Et si nous désobéissons à la loi là, ça six petites choses là, quand détruire, ça veut dire l'islam pour en danger à cause de son adepte et son affilié. Point numéro 7. L'islam. Il n'y a aucun médium, aucun barrière et aucun wasaït en tout avec Allah. Il n'y a pas. Au moment où il y a un musulman, il cause direct avec son Rabb subhanahu wa ta'ala. Et quand il y en a qui demandent pardon, il n'y a pas pour rendre un petit carré, il a avoué ce péché avec mon père. Non. Dans l'islam, non. Dans l'islam, c'est relation directe, c'est connexion directe. Dans des situations, je vais donner l'exemple. Et quand il y a pour demander du'a, demande du'a avec votre Rabb subhanahu wa ta'ala directement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit li yas'al ahadukum rabbahu hajatahu kulla walau shis'a na'lin. Tout ce qu'ils ont besoin, demande votre Rabb. Même Jisel, demande votre Rabb. Même votre pâte savate, il me casse, demande votre Rabb. Parce qu'il n'y a aucun barrière en zot et qu'Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalhu, sa haine. Et numéro 2, quand il y a pour faire tauba, peine pas le raconte personne ou rentre dans sijda ou fait des rakat ou fait outoba. Et Allah explique ça dans l'histoire de Adam alayhi salam et l'histoire de Iblis. Pour nous comprendre que dans l'islam, peine aucun barrière entre sa dimoun faible, sa aveugle, sa sourd, sa muet, sa esclave, sa travailleur pauvre et travailleur riche et sa riche là et sa président là. Et sa premier ministre là, et sa amir là, peine aucun barrière entre un serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu dans l'islam, numéro 1 dans demande du'a et numéro 2 dans demande pardon, comme l'exemple. Et ça dit là, ce scénario là, il clarifié dans l'histoire de Adam alayhi salam et Iblis. Qui a fait? Qui a clarifié? Iblis. Il désobéit à Allah. Il dit Rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athoun. Il fait un doigt avec Allah, Iblis. Il dit, oh Allah, donne-moi un délai jusqu'à la résurrection. Iblis, Allah dit, fa'innaka minal munzarin, tu me demandes un doigt, je vais accepter ton doigt. Iblis, ce doigt, là, il a accepté. Je ne vais pas penser n'importe qui musulman qui désobéit à Allah. Qui quantité qui désobéit à Allah. Jusqu'à même dans le hadith, c'est lui qui tue 99 du monde. Ensuite, il tue 100e. Et il fait tauba, il a accepté ce tauba. Et dans le Coran, il y a beaucoup d'exemples là. Mais pour moi, il suffit qu'il nous comprenne entre nous et qu'Allah n'a aucun barrière, ni dans numéro 1 demande du'a, comment Iblis il demande du'a, il a accepté. Et puis, comment il demande pardon, Adam alayhi salam, il dit Rabbana, volamna, anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lana kunanna min al-khasirin. Alors, Rabbul Alamin, il finit enseigne l'humanité en entière, qu'il enseigne lui, il enseigne lui qui n'a aucun barrière en toi avec Allah. Mon frère, mon sœur. Pas qu'un embêté, mon sœur, mon maman, mon petite fille. Pas qu'un embêté avec l'annonce, l'émancipation des femmes. Alors, Western countries, mon Arab, mon Européenne, viennent pour libérer, madame. Libération, vous savez qui veut dire ça? Quand faire publicité l'auto, mettez madame moitié nue devant l'auto là. Ça appelle ça libération. Libération veut dire quand madame là y a envie. Gagne relation sexuelle avec une madame, laisse-lui. Ça appelle ça libération.
Libération veut dire que madame là, il a envie de prendre la drogue, il prend la drogue comme elle voulait. Et je trouve le social media qui catastrophe dans la communauté musulmane concernant Ban Seir qui addict avec la drogue. Alors, moi, Ban Seir, pas gagné embêté avec sa publicité shaitan là. Alors, l'islam, in honor, madame, et nous, nous donnons une leçon, l'humanité en entière, comment l'islam, in honor, madame. Moi, si Dieu, vite, vite. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, qui dit, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Wa bil walidaini ihsana. In honor, maman. Et il natasse l'autre pour honor, maman. L'inatas l'autre pour bien occuper maman ensemble avec Ibadet pour Allah pour montrer l'importance de agir bien envers nous maman ou papa. Numéro 2. Allah dit wa min ayatin khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Écoute bien man monsieur, faire attention avec sa man madame qui zonamine de toute la case là. Imaginez les filles de un maman et un papa, les sœurs de un frère et les enfants de un parent. Et Jimmy, tu prends un tifito ici, qui parle dans la case du monde. Alors, comment tu dis, tu donnes, comment tu peux faire avec ça, madame là? Pareil, comme ça même, Jimmy, par sunnat Allah, tu tifies pour subir. Si arrivé, tu mal azir envers sa tifi, qui te légalise ce parti privé, pour donner mahar, alors faire attention, tu mal azir envers lui. Incroyable, un musulman aujourd'hui. Incroyable, un monsieur aujourd'hui. Les restants disent, la case, 13 et ans, et tu rentres dans la case, tu trappes sur le portable, parce qu'il a dormi. Il peut faire dawa. Michel avait fait dawa, il peut get news, il peut get résultats, il peut get match football, il peut get tout. Mais c'est moi, ce madame avec ses enfants, il n'y a pas gagné temps, guetter qui n'arrivait, ses enfants qui n'arrivaient, de ce sac l'école qui n'arrivait, qui rapport peut gagner, qui programme aux enfants, il n'y a pas gagné temps. Allô, man monsieur et man monsieur, allez faire attention, parce qu'ils ont rien à main. Ne n'en compte pas le rendez, parce qu'il kullukum ra'in, wa kullukum mas'un ra'iyati. Allah in honor, man madame, pas d'un autre mahar. Quran dit wa atun nisaa saduqatihinna nihla. Zami madame Omar ibn Khattab radiyallahu anhu Omar qui dit que ma kunna na'uddu an-nisaa shay'a avant l'islam vini pour ono madame Omar ibn Sa'd. Écoutez qui Omar ibn Khattab, c'est lui qui shaytan qui trouve lui sauvé. Il dit que avant l'islam nous pas tu peux prendre madame comme si rien, tu comme dire un objet. Ça n'a qu'une donne droit madame, c'est l'islam. Madame là, s'il y a une maman, les gars partagent un sixième ou bien un troisième si il y a des enfants. S'il y a une madame, les gars un quart si il y a des enfants, les gars un huitième si il y a des enfants. S'il y a une sœur, si il y a un héritier, garçon ou bien une fille, c'est elle qui a un héritage. S'il y a une fille et il n'y a aucun héritier, les gars gagnent la moitié ou bien s'il y a plusieurs, ils gagnent des tiers. Ça, c'est l'islam. L'islam, il honore madame. Et madame, quand ajoute sur l'héritage qu'il a gagné, il est capable de tomber plus qu'il m'a si analyse bien, mathématiquement parlant. Ça, c'est l'islam. L'islam, il honore madame. Quand il dit, al mar'atu ra'iya fi bayti zawjiha, qu'il madame, est responsable de la case sur Miché. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man sayya, idha sallati al mar'a khamsaha, wa samat shahraha, wa hafidat farjaha, wa ata'at zawjaha, qila la hadkhul il jannata min ayyi bab shit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam li pe explique nou ban se nou ban mama nou ban tifi ki simi a menzur ve jannat facile si tu fais tu 5 fois salat, tu gardes ton rosa dans ramadan, tu préserves ta chasteté, ta haya, tu pas présente devant ghair mahram d'un halat qui pas gain droit, et quatrième tu obéis à ton monsieur, tu rentres dans jannat pour n'importe qui la porte qui te voulait. Ça c'est l'islam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam li dit, il dit, il n'y a aucun djimoun qui a trois tifi ou bien trois sœurs, des tifi ou bien des sœurs, et les grandissent comme un bisin. Écoutez mon frère, écoutez mon papa, écoutez mon garçon, les temps sa papa là, il grandit ce tifi ou bien ce sœur d'après Coran avec sunna, jannat vin obli, excepté qu'il gagne jannat, hadith dans Mousnad Ahmed. Ban Shabab, mon ban blie zun. Un seul affaire, mon boudia, mon ban jeune. Essaye d'imaginer, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, li pe kit dunya li pe aller. Ces derniers seriya, ces derniers groupes qui li pe avoir fait jihad avant le kit dunya y aller. Li appoint as leader Usama bin Zayd, radiallahu an. Un jeune. Allô? Et imaginez, il appointe pour faire jihad. Et jihad, c'est un ibadat. C'est seul ibadat. Que Rasul sallallahu alayhi wa sallam indiya, qu'il indiya, moi tu peux content qui uqtel fi sabilillah, moi être tué dans fi sabilillah, thumma uhya,
Ensuite, Allah aurait fait moi vivre. Thumma uqtal. Ensuite, mourir mort fi sabilillah. Thumma uhya. Ensuite, Allah aurait fait moi vivre. Ensuite, thumma uqtal fi sabilillah. Ensuite, mourir mort fi sabilillah. C'est celle ibadat qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. L'itiena le vœu qui Allah aurait fait aller vivant pour lui faire. C'est djihad fi sabilillah. Alors, ben, jeune, je besoin préparer. Je besoin entraîner. Je besoin préserver de la santé. Je besoin préserver de l'intelligence. Je besoin préserver de l'oreille. Comment nous préserver ça? Par limite Allah subhanahu wa ta'ala jala jalaluhu, et n'a pas attendre le jour qu'il l'ennemi tape la porte. Là nous pas connu qui pour faire, nous pour faire pareil comme on dit dans les autres pays, nous pour assiser, nous pour dire l'ennemi là, nous attendons comment ça s'est rose mauvais venir là. Ce qui t'est arrivé de Cordoba dans l'Espagne, comment l'ennemi t'a envahi à l'Espagne, tellement musulmans l'ont perdu sur l'honneur, l'ont perdu sur puissance, l'ont perdu sur la force, pour désobéir à Allah et son Rasoul. Arrive une situation, l'ennemi Allah dit attends là, moi c'est un rose mauvais venir là. Il y a c'est un rose qui vient, l'ennemi musulmans puis attendre, il prend un rose et crache sur la terre. Qui fait arrive ça? Rasoul il finit dire 1443 banani, il dit al-wahan il rend des autres les cœurs. Wahan il rend des autres les cœurs, mais le sahaba dit wama al-wahnu ya Rasulallah. Qui était al-wahan? Il dit hubbu dunya wa karahiyatul maut. Je ne compte en dunya et je détestais pour beau d'offrir sa bilillah. Alors al-wahan rentre dans l'équerre, l'ennemi Allah n'est plus paix à toi, c'est une la paix qui Allah t'y met. Dans l'équerre demande l'ennemi Allah, quand tu ne comptes en dunya, tu ne résites la mort d'un fils abilillah, ça la frayait que l'ennemi tient pour toi là, n'est plié non. Alors je te fais avec toi, comment je t'en veux, bon frère et bonne soeur. Ramadan, quand tu es terminé, c'est un contentement. Nous bisons contents. Oui, Masjid Aqsa, sous contrôle Yahoud, mais c'est Mazou Eid, c'est jour de contentement, et c'est un contentement qui chéri, et nous bisons contents. Et nous visons fêter, mais seulement avec une seule condition, pas dépasse ban limite Allah subhanahu wa ta'ala jala jalaluhu. Ban frère, ban sœur, pas oublier. Quand nous dans l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous capables de subir destruction, si arrivé nous pas faire tauba. Numéro 1. Numéro 2. Nous pas ordonner le bien, empêche le mal. Numéro 3. Nous pas continuer travail, donne bon conseil, si nous pas faire ça ban action là. Même qui nous dans l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui peut arriver à la destruction capable tous nous. Et pour me terminer, à l'islam, c'est ça qu'ils ont écouté à l'islam, un petit APSU qui était, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, donne une bonne nouvelle, qui dit, Ya Abba Sa'id, dans Sahih Muslim, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Ya Abba Sa'id, man radiya billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin nabiyya, wajabat lahul jannah. C'est l'islam qui m'a présenté un petit APSU dans sa 35 minutes là. C'est lui qui est satisfait avec Allah comme son Rab. Et il est satisfait avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam comme son modèle, son Nabi. Et il est satisfait avec l'islam comme son façon qu'il nous amène sur la vie. Jannat vin obligatoire au lit. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Allahumma ya Rabbana. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك يا غافر الذنب يا قابل التوب يا من يحب التوابين تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا ربنا يا سامع الصوت يا سميع قريب مجيب الدعوات تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاواتنا وسجودنا وركوعنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين وحرر أقصى من دنس اليهود الغاصبين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم رد شبابنا إلى دينهم ردا جميلا ورد شاباتنا إلى دينهن ردا جميلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم اكتبنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فتغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقام رمضان
وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فتغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب المسلمين جميعا من النار. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربنا يا قوي يا متين يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا حازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام والمسلمين بقوتك وجبروتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا عزيز يا جبار، ارفع البلاء عن أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع البلاء عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع البلاء عن أمتنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.